on travaille essentiellement le savon. Nous sommes fabricants. On fabrique pour nous et nous revendons nos produits sur le marché, en Provence et sur l'Italie également. Alors le diagnostic iris, on a reçu un appel un jour d'une personne qui m'a proposé un rendez-vous pour faire le point sur mon entreprise. Ça s'est très bien passé. Ça a bien duré une heure de temps. On a parlé sur différents points, la gestion, le personnel, ce qu'il nous fallait pour avancer. J'ai associé donc le personnel parce que c'est un travail d'équipe. Tout le monde doit être au courant de tout et de savoir comment on fabrique jusqu'à savoir comment on gère. Ça nous a permis de voir exactement où on en était. Nous, nous étions pris un peu dans notre création d'entreprise. Et de là, avec ce monsieur, nous avons bien défini nos besoins et nos lacunes. Suite à notre entretien, nous avons décelé des problèmes en gestion. Et de là, donc, j'ai décidé d'envoyer Myriam en formation. J'assiste un peu Fausto sur essentiellement sur la gestion. Mais ça m'arrive de faire des marchés, d'être en boutique, de voir au niveau de la fabrication. Enfin, vraiment, je suis la polyvalente de la boîte, je dirais. C'est un monde que je découvre totalement, la gestion. Donc on a investi dans un logiciel qui s'appelle Ciel, qui est très connu. Et justement, Iris propose une formation sur ce logiciel-là. Cette formation, elle va me permettre en fait de pouvoir maîtriser l'outil informatique, que c'est un monde que je ne connais pas du tout. La deuxième formation, ça serait une formation de gestion en général, gestion du personnel, communication, communication interne, communication externe, donc qui regrouperait un peu justement toute la gestion de l'entreprise. Ça va un peu structurer mes savoirs parce que la gestion, c'est pas forcément facile tout le temps. Ça me permet aussi de mettre chaque chose à sa place, je dirais. J'ai besoin de créateurs, j'ai besoin de gestionnaires et j'ai besoin de gens créatifs avant tout, quoi. L'entreprise a une très très bonne ambiance parce que c'est une équipe où tout le monde apporte à quelqu'un en fait. Donc c'est justement ça un peu ce qui donne envie d'aller travailler tous les jours.